yeah, that left me all alone. Now I cannot go and take the higher road. Don't fuck with me right now. Les gros wedge. Le fond, c'est bon. Moi, je pense que tout est bon. Du coup, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo comme ça face à la caméra, juste vite fait avant que la vraie vidéo commence. Je vous fais juste une petite intro pour vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Donc, j'ai déjà ouvert, c'est, j'ai reçu un colis. Donc je savais déjà ce qu'il y avait dedans. Donc, je vais vous montrer avant, je sais pas si on voit comme ça, je vais essayer de vous montrer. Je vais vous filmer avec le téléphone comment je me suis démerdé pour vous filmer ça. C'est vraiment la galère. Vraiment en mode blédard. Donc franchement, je sais pas comment ça va rendre. Donc du coup, je sais pas si vous... Je pense que là vous voyez pas trop mal avec le retour. Donc dans le bon sens ça sera mieux. La mise au point. S'il te plaît, la mise au point, voilà. Donc c'est des bouchons d'oreilles, j'en ai reçu deux paires, c'est la marque Surfear qui me les ont envoyés. Je leur avais demandé pour vous faire un petit concours. Et donc ils m'ont envoyé une paire en plus pour tester, donc j'en ai jamais utilisé, j'ai jamais utilisé de bouchon d'oreille. J'en voulais une paire justement parce que pour l'hiver tout ça, je sais que c'est mieux. Donc au moins comme ça, je vais pouvoir les tester, je les ai jamais testés encore, je viens de les recevoir. Donc je vous ferai sûrement une vidéo d'ici 2-3 mois, une fois que je les aurai bien testés tout l'hiver, je pense vers février. Pour vous dire ce que j'en pense, tout ça, mon avis. Mais en attendant, ils ont l'air pas trop mal. Je connais des gens qui en utilisent, donc... ils m'ont dit qu'ils étaient bien. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'ils m'en ont envoyé deux et que je pouvais vous en faire gagner un. Donc ça se passe sur mon Instagram. Donc pour participer, ça se passe sur mon Instagram qui s'affiche sur l'écran kien.mm. Je les remercie parce qu'ils ont été super cool. Ça vous permet de vous faire un cadeau pour Noël. Je vous remercie pour les 2000 abonnés parce que j'avais pas eu l'occasion encore de le faire vraiment. Donc comme ça, ça me permet de vous faire un petit cadeau. C'est vraiment cool. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Can't stop having visions of bad dreams. Think about how I used to have things. Then you left. Now you have. Belle petite première vague. Franchement, la planche est cool. C'est une 5-10. Avant, j'avais une 5-8. Donc, c'est un peu plus grand. Mais l'autre commence à être trop petite. Donc, c'est pour ça, c'est pour pouvoir tester des tailles un peu au-dessus. Il y a beaucoup de vent. Je sais même pas si vous m'entendez. Mais on a, ouais, on a 2m50, 2m80 de houle. Donc, là, je suis sur la suite. Donc, il n'y a pas du tout 2 mètres. Mais c'est quand même bien fat. Can't stop having visions of bad dreams. Think about how I used to have things. Then you left. Now you have things. Inside of my head, no wonder I am so goddamn depressed. Now I will move on and turn to my left. Cause I've always done right, yeah, that left me all alone. Now I cannot go and take the higher road. Don't fuck with me right now. Ça a creusé d'un coup, j'ai rien compris. Time. On a rocky road in a new girl trying to FaceTime. Eating rocky road in her underwear. I'm on my way, now she kick it with the demons inside of my head. I still got issues when I am alone. Morphine is in me, I feel like a clone of everything I used to be. Mixed with some things I didn't choose to be. Damn. Now I cannot go and take the higher road. Don't fuck with me right now. Don't fuck with me right now. Ouais, je vais jamais faire un aussi beau roller, putain.
les ailerons, ils ont décollé derrière. Et du coup après genre j'ai dérapé, j'ai fait un vol plané. Compliqué avec le vent et tout, le courant, mais franchement sinon c'est cool. Il y a deux trois petits bouts, puis ça fait toujours les bras. Oh, what? Les gros wedges.